Mesdames et messieurs, Alex Parrette. Très heureux, je viens de Québec. Patrick a parlé de taxi. Y en a-tu qui me connaissent de la télévision Taxi Payant? Oui? OK. C'est drôle parce que ça fait 9 ans que je fais de la télé, puis les gens semblent me connaître un peu, mais je me fais jamais reconnaître dans la vie de tous les jours, dans la rue. Ça me dérange pas, mais jamais de me faire reconnaître. J'ai plein de chums humoristes qui prennent des photos, signent des autographes constamment. Moi, jamais, mais je me fais souvent dire que je ressemble au gars qui fait Taxi Payant. Je sais pas qu'est-ce que j'ai de si différent de moi dans la vie. Écoute, je viens de Charlebourg tantôt à station-service, à côté de chez mes parents à Charlebourg. Le caissier, il me dit « Hey, tu ressembles au gars qui fait Taxi Payant. » C'est moi! L'année passée, je vous jure, j'invente absolument rien. Je fais un show à Sorel. Avant le spectacle, je vais me chercher un café chez Tim Hortons. J'attends à la file chez Tim Hortons. Petite dame, début soixantaine, assez petite, 5 pieds. Elle vient à côté de moi, elle me regarde, mais elle me parle pas. Elle fait juste me fixer, elle est collée sur moi. Puis tu sais, je la vois dans mon angle mort de piéton. Là. Je le fais à l'occasion. Puis, ah, elle est là. Puis, je vais être heureux si elle me jase. Elle me jase pas. Elle fait juste me fixer. Ça dure genre 30 secondes. Je commence à être mal à l'aise. Je me dis, c'est une prédatrice sexuelle. Tu sais, avec le phénomène des cougars, maintenant. Aussi appelé les vieilles gourmandes. Ou la pulsion de la dernière chance. Mais... Ou les femmes qui ont des éventails actuellement. J'en vois une t'arrêter d'éventer. Ouais, t'as mort de nac. Mais... Ça fait peut-être genre, honnêtement, ça fait 45 secondes qu'elle me fixe à bout portant. Je commence à être mal à l'aise. Puis c'est elle qui désamorce ça. Elle me pousse l'épaule un peu agressivement. Puis elle me dit, excuse-moi, jeune homme, je te regarde depuis tantôt. Tu ressembles au gars qui fait l'émission là, à Taxi Payant. Et j'étais honnête et fier de dire, non seulement j'y ressemble, mais c'est moi. Et je vous jure, elle me regarde ultra sérieusement. Puis elle me dit, va chier.